Ouais, on prendra après. Non, mais être dans la mairie, c'est toujours bon. Tout à l'heure, peut-être. Allez. J'aurais le choper là-haut. Attention. Oh putain, là ils vont prendre les fouettes, ils vont leur brûler les pneus devant. Là je pense qu'ils vont prendre peur et ils vont croire qu'ils vont brûler les pneus devant la fin. Je crois qu'ils sont là. Ils vont appeler les pompiers là. Je vais dire qu'ils sont plus. Alors voilà, c'est l'intersyndicale en lutte contre la loi travail qui a fait un petit déjeuner improvisé à base d'œufs frais et de gomme de pneus. Voilà. Donc moi je suis donc au collectif Unitaire 69 qui regroupe des précaires et des intermittents du spectacle. Je suis au syndicat français des artistes CGT. Donc nous on s'inscrit dans la lutte interprofessionnelle. C'est vrai que grâce à notre lutte, on a un accord qui devrait entrer en application au 15 juillet. Mais la lutte continue. Et la loi travail, il faut qu'elle soit retirée. Il n'y a pas d'autre solution. Et MEDEF aujourd'hui, ça cristallise à peu près tout ce contre quoi on lutte, puisqu'effectivement c'est notre travail et c'est du coût humain pour le patronat c'est évidemment un retour en arrière considérable pour toute la classe ouvrière. Alors on fête là en ce juin 2016 les 80 ans du Front populaire, évidemment c'est un très mauvais signal qui est envoyé aux travailleurs, cette loi, et le plus terrible, c'est que ce sont ceux qui se prétendent les héritiers de Léon Blum qui la mettent en place. Là, c'est le rassemblement de militants pour dénoncer la loi El Khomri. Hein. Donc, elle va bientôt repasser au Parlement. On est toujours contre et on demande le retrait pur et simple de cette loi, mais aussi de toutes les lois antisociales de ces dernières années. Moi, je travaille dans la santé, par exemple, la loi de Touraine, hein, qui a suivi celle de Bachelot. Hein, donc, président Sarkozy, président Hollande, c'est les mêmes lois qui suivent. Et c'est la casse des hôpitaux publics. Et à travers la casse des hôpitaux publics, c'est la remise en cause du soin pour tous, de la qualité des soins, du soin de proximité. Tout simplement parce qu'on ferme des lits, on ferme des services, on ferme des établissements, on regroupe des établissements. Actuellement, il va y avoir sur la France, il y a des centaines et des centaines de directions d'établissements. Elles vont être regroupées en 110 GHT, un groupement hospitalier de territoire, avec 110 directeurs majeurs qui seront les donneurs d'ordre, qui recevront directement les ordres du ministère et de l'Agence régionale de santé. Voilà. Alors, la loi Bachelot, la loi Touraine, la loi El Khomri, c'est des lois répressives, c'est des lois contre les droits sociaux. Et il faut les combattre à tout prix et les rejeter. Et comme dit Martinez, nous on est pour un code du travail du 21e siècle, mais aussi on est pour une santé, une sécurité sociale qui se développe en fonction des besoins de la population aujourd'hui. L'action de Mandelaisès, c'est une action symbolique. Hein. Vous avez vu, on a mis des feux, des pneus devant l'entrée. Notre but, c'était de faire brûler les pneus devant le MEDEF. Puis on s'est dit, on va encore faire mieux, c'est-à-dire que mettre des pneus devant l'entrée, boucher l'entrée avec les pneus, 2-3 cagettes. C'est faire voir que, en fait, ils sont dépendants des travailleurs et que c'est pas eux qui nous tiennent en comptage et c'est nous qui les avons sous la main. Et je terminerai ainsi. Ça a été le mot d'ordre majeur de la manifestation.
manif de Paris le 14 juin, c'est la force des travailleurs, c'est la grève. Et c'est vrai qu'il faut qu'on mette la grève dans les entreprises. Il faut qu'on y pense sérieusement, de partout, dans les établissements, les entreprises.